بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث 317. وعنه قال أبوتي تجوبا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إجيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيا إن الله تعالى خلق الخلق الله سبحانه وتعالى فين كري لا كرياسيون حتى إذا فرغ منهم جسكا كي لفين كومبليت لا كرياسيون. Alors, quand nous vous traduisons ça littéralement, nous vous trouvez que quand l'infini finit créer la création, là là l'infini libre. Ça, si nous vous traduisons comme ça, les pouvins coufre. Alors, il y en a beaucoup, ben secte. Je prends ben texte dans le Coran et dans le Hadith, je traduis littéralement, comment il était, mot pour mot, là là je applique comme ça, je mets, comment dire, je t'acquide. Ça, si nous pouvons traduire comme ça, nous pouvons comment dire qu'il est chrétien. Qui, ben là, dire Dieu fin créé la terre et le ciel dans 6 jours. Nous, si nous disons ça, hein, خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. Là, là, un chrétien qui dit 7e jour, il fin reposer. Alors, là, là, que c'est un dimanche, que un jour repos, le jour du Seigneur, comment je veux dire. Ça couvre ça. Alors, ça bout là, si nous pouvons traduire. إذا فرغ منهم كان لفين لب أستير فدبان نpense que Allah سبحانه وتعالى تي مشغول ça veut dire تي occupé dans création la terre et ciel et ban les autres quelque chose il pas besoin tout ça là il pas besoin outils il pas besoin moyens il pas besoin non إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. N'importe quand il envie quelque chose il voulait quelque chose il dit كن soit, et ça quelque chose là, il vient en existence. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous traduire ici, quand la création de tout bon quelque chose vient compléter. Léla, qamat ar-rahim. Ar-rahim vient fin djibouté. Il y en a certains, les autres riwayat mentionnés qu'il vient, comment dire, vient que trône Allah, vient apprenant que trône Allah. Rahim, comment, nous t'y déjà expliqué, c'est la matrice. Ça a même sa place dans vente, une madame qui a des enfants développés là. Donc, quand nous avons plusieurs enfants qui nous développent là-dedans, il y a un lien qui n'est pas pareil comme les autres liens. Ça même qu'ils nous appellent lien distant, ça veut dire ben frère et soeur, maman, papa et ben les autres encore. Alors, Ar-Rahim ici, il ne veut pas dire ça, pas petit écho là qui finit là-bas, non. Ar-Rahim, c'est ben relation familiale. Donc, une relation proche. À ce moment-là, un ulama expliquait qui c'est là ça, une relation familiale là, relation proche là. C'est une akriba dans une maharim. Ça veut dire qu'il est côté maman ou soit qu'il est côté papa, une dimon avec lesquels nous pas gagner droit à faire un nikah. Par exemple, un dimon se sert. C'est sa relation proche, sa maman par exemple, et sa poupou. Ce cas-là, ce tifi, ce nièce, frère, ce tifi, sœur, ce tifi. Ban dimoun, ban madame qui mahram. Et n'a ban limite là-dedans. Dans, par exemple, relation qui est avec sa dimoun-là. Là, ban ulama spécifié qui, par exemple, si nous guettons un cousin avec une cousine, je ne pas mahram. Alors, sa ban-là, je ne pas compte là-dedans. Donc, compte parmi ban maharim, ban mahram, ce pluriel. Donc la famille proche, tellement les proches qui pas pour gagner droit faire nikah avec lui. Alors ar-rahim, relation familiale fin vini fin djibout kota Allah sur trône. Faqalat finjia hadha muqam al-a'id bika min al-qati'a. Le dia ça le fait qu'il m'fin vin là, m'fin vin rode une protection avec toi, adressée avec Allah subhanahu wa ta'ala, contre Al-Qati'a, contre celui qui pour coupe relation familiale. Ça veut dire celui qui pour un manquement vis-à-vis
sa grand quelque chose qui appelle Ar-Rahim, qui appelle relation familiale là, donc quelque chose là les mêmes les fins venir. Alors là aussi ben, on l'a expliqué qui en a trois possibilités. Est-ce qui Rahim là les mêmes les fins venir? Les fins venir adresse Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ben, on l'a dit il n'est pas impossible ça, il est possible. Comment les fins étaient Allah connaît. Donc littéralement nous apprenons les. Et l'autre façon nous apprenons les, c'est qui ban 11 un ou soit plusieurs 11 fin vini cause dans faveur ça quelque chose qui appelle rahim là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre possibilité c'est si ar-rahim tiena pour causer, si ar-rahim tiena pour le trône pour le causer, c'est ça qu'il dit pour dire. Comment dire, il peut expliquer un hal, il peut expliquer un l'état comment il dit pour être. Alors les fins, comment dire, à la protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Contre ban qui pour, pas pour faire les justices, pour couper sa relation là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, Naam. Donc les fins, une protection, Allah dit oui. En d'autres mots, nous avons traduit, est-ce qu'il m'a une protection contre celui qui peut couper? Allah subhanahu wa ta'ala dit oui. Ama tardayna an asila man wasalak. Est-ce qu'il ne t'est pas satisfait si celui qui garde bonne relation familiale, moi je garde bonne relation avec lui, Allah me dit, et celui qui coupe relation familiale, moi je coupe relation avec lui. Là, Ar-Rahim répond, qalat bala. Il dit, oui, certainement, je suis satisfait avec ça. Et dans l'autre riwayat, dans Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala dit, man wasalaki. Celui qui garde bonne relation avec toi, moi je garde bonne relation avec lui. Et celui qui coupe bonne relation familiale, moi je coupe relation avec lui. Alors qui veut dire ça? Allah garde relation avec un djimoun, Allah coupe relation avec un djimoun. C'est que quand Allah garde relation avec un djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue vers sa bonne faveur, sa bonne ihsan. Allah vers sa bonne faveur, Allah fait lui rentrer dans son rahmat. Alors, ça dit, là, il continue à rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est spécial dans Allah sa faveur. Et quand dit, là, quand Allah fait une coupe relation avec ça dit, là, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il tire sa bonne faveur là, l'oli. Donc, dit, là, première affaire, il n'est pas pour qu'accoster même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment dire, il fait une sortie dans sa cime là. Il peine à sa, l'attention spéciale là, il peine à sa faveur spéciale là. Ça dit, mon là, comment dire, il y en a un manquement dans lui, alors spirituellement, il est bloqué là. Spirituellement, il est bloqué, autrement aussi, il est bloqué. Donc, sa relation avec Allah, comment dire, ça n'a pas pu là. Alors, nous comprenons que si un djimoun, il a envie de coster avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il a envie de continuer dans sa cheminement là, il a beaucoup de travail, il a besoin de faire. Parmi mon travail, qu'il a besoin de faire là-dedans, c'est lié sur ma relation avec mon djimoun et surtout sur ma relation avec mon proche, sur ma famille. C'est la tour Rahim. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça. Lala lui dit, est-ce que tu vas être satisfait avec ça? Allah a dit, Lala lui dit, bala, certainement. Oui, il est satisfait avec ça. Qal, Allah a dit, fadhalika lak. Alors ça, pour toi ça. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça. Ar-Rahim, relation familiale, c'est lui qui garde bonne relation familiale, Allah garde bonne relation avec lui, c'est lui qui coupe relation familiale, Allah coupe relation avec lui. Alors hier, nous t'expliquons un petit peu en détail, ben, l'exemple, qui manière, ben, dit, mon garde relation familiale, qui manière, ben, dit, mon coupe relation familiale. Quelques ben, l'exemple, mais si nous avons l'exemple, nous ne pouvons pas en milliers. Alors, thumma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit après ça, اقرأوا إن شئتم. Alors, j'ai avec sahaba, si je t'en envie à ce terre, lire sa ayat là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Surah 47, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si je tourne, je te les deux. تَوَلَّيْتُمْ. Mais si je tourne, je te les dois. Ça veut dire, tourne, je te les dois avec Allah subhanahu wa ta'ala, son din, avec Allah subhanahu wa ta'ala, son hukm. Il y a beaucoup de les autres contextes encore qui m'ont ajouté là-dedans. Il y a par exemple, leadership. Quand je peux lead, est-ce que si je peux lead d'une façon qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content, si je tourne, je te les dois depuis Allah subhanahu wa ta'ala, fa hal asaytum, est-ce que je pas peur?
antufsidu fil ard, qu'ils ont pour faire façade l'eau la terre, qu'ils ont pour faire désordre l'eau la terre, wa tuqatti'u arhamakum, et qu'ils ont pour couper ban arham, arham c'est pluriel de rahim, et qu'ils ont pour couper ban relation familiale. Ça veut dire quand on tourne les dos avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on tourne les dos avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, comme on a fini lié hier dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit attaché avec iman dans Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, c'est lui qui a iman dans Allah et dans le jour dernier, fal yasil rahimah, qu'il y garde bonne relation familiale. Alors, est-ce qu'ils ont pas peur que si je tourne, je te les dois avec Allah, je peux faire façade, l'eau, la terre, et je peux couper, je te bonne relation familiale. Là, là, oulaïka, ben, j'ai mon qui fait ça, qui arrive, je te, oulaïka, alladhina, la'anahumullah. Ben, j'ai mon qui fait ça, Allah fin avoué la'anat, l'eau, je te, Allah fin maudit, je te. Allah, une explication qui nous gagne encore, qui, quand Allah veut dire, elle coupe, sa relation familiale, les coupes relations avec celui qui coupe relation familiale, c'est qu'il n'est plus dans Allah sur rahmat, ni dans Allah sur l'anat, ni dans Allah sur malédiction, qu'Allah protège nous. Donc, oulaïka alladhina la'anahumullah, sa bandimoun là, c'est bandimoun qui Allah fin fait malédiction aux autres, fa asammahum wa a'ma absarahum, et Allah fin fait aux autres vin soud, et fin fait aux autres lisier vin avec. Soud avec, avec. Nous apprenons littéralement, mais normalement, c'est pas littéral ça. Normalement, c'est qu'ils se soudent quand il y a pour cause bon cause, ils ne pas attendre. Quand il y a un courant, ça ne pas faire l'effet aux autres. Quand du monde peut cause avec eux, le bien, ça ne pas pour faire l'effet aux autres. Et je viens avec, je ne pas trouver la vérité. Mille vous mettez la vérité là devant eux, je ne pas pour trouver. Comment dire, je l'esprit infini, condamné. Allah, comment dire, mettre scellé aux autres les cœurs. Malheureusement, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alors, mille pour faire le bien paraître devant eux, je ne pas pour trouver parce qu'il y a une médecine, les autres l'équerre. Alors, j'ai besoin de l'autre qui travaille, les autres capables de faire comme ça, qu'ils en arrivent dans cet état-là. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, pas faire nous rentrer dans sa main vilain catégorie du monde-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous taufik, malgré nos manquements, retisse ban lien, ban tissu familial qui finit cassé. Préserve ban lien familial et que Allah subhanahu wa ta'ala garde nous parmi ban qui garde sa ban lien là et qui lit aussi subhanahu wa ta'ala li garde un lien spécial avec nous. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.